Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors le loup de la street back, le Marine Animer qui a annoncé lancer sa marque de voile après son retour à la Mecque. Je vous laisse avec sa story. Salam l'ami, bien quoi la famille, tranquillou. Coupez le contact, on va mieux s'entendre. La MIF, qu'est-ce que je regrette pas de terminer tous ces fumiers sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je regrette pas de mettre du cœur à l'ouvrage et de mettre autant de temps et autant de force? Parce que dans 99% des cas, on se rend compte que j'avais raison. Raison, réseau. Ça va ensemble. Lapsus révélateur. On se rend compte que j'avais raison. Au lieu de dire on se rend compte que j'avais raison, on se rend compte que j'avais raison. Et comme tout ce que je parle c'est sur les réseaux, c'est un lapsus révélateur. Bref. La famille, l'autre, elle va à la Mecque, mais son repenti est sincère. Même pas deux semaines qu'elle est revenue de la Mecque, elle décide de montrer sa propre marque qui s'appelle Mariam. Ça veut dire qu'avant d'aller à la Mecque, elle avait déjà cette idée-là. Elle s'est dit, je vais aller à la Mecque et en revenant de la Mecque, je vais proposer. Parce que tu montes pas une marque comme ça en 20 secondes. Elle a déjà la marque, Mariam. Donc quand elle est partie à la Mecque, elle avait déjà ça dans la Mecque. Donc pour tous ceux qui me disent qu'elle est partie à la Mecque... Donc la famille, quand je dis un truc, voilà que je suis pas fou. Le sixième sens, il trompe jamais. Et comme je dis, la vie, c'est comme quand tu vas passer le code de la route. À chaque fois, les inspecteurs ou les examinateurs, ou appelez ça comme vous voulez, quand tu es un peu stressé, ils te disent quoi? La première impression est souvent la bonne. Et dans tout ce que tu fais dans la vie, en règle générale, c'est vrai, la première impression est souvent la bonne. Je me suis tout de suite dit qu'elle se foutait de la gueule du monde, et ben, j'avais pas tort. Alors à tous les gens qui m'envoyaient un message, mais quand même, machallah, elle est partie, se repentit, t'es sincère. T'es pas dans son cœur au fond à droite, à côté du rond-point, à la 57e place du parking, moins 4, porte B, porte jaune. Tu peux pas savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Si. Mon pif de Labrador, qui renifle des truffes dans la forêt, il me trompe jamais, Roya. Quand je sens quelque chose que ça va pas, Roya, c'est que ça va pas. Et là, la meuf, elle a déjà sa marque. Je sais pas moi, vous avez passé votre vie dans des sex shops. Vous avez pas eu l'idée de faire une marque de sex toys? Pourquoi vouloir faire une marque de voile? Enfin, faire une marque de sex toys. Ah ouais, c'est vrai que l'islam, c'est plus vendeur. Plus de clients, plus de potentiel, plus de marge, plus de tout quoi. C'est vrai que faire un god, faire un moule, trouver un prix, un nom sympa, les secrets d'Hélène, pourquoi pas Tatiana et pourquoi pas Lubna, c'est... Tandis que le voile, hein, machallah, inchallah, ça se vendra toujours.